Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 30 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a prolongé notre ligne de voyageurs depuis Autun jusqu'à Guéret, Clichy-sous-Bois et Fougerolles. Et suite à cet épisode, j'ai reçu plusieurs commentaires dont je vous remercie déjà. Et notamment, on avait parlé de faire des transports urbains dans ces villes qui sont le long du tracé de cette ligne. Et pour Fougerolles, j'avais parlé éventuellement de faire des bus. Et puis vous avez été plusieurs à me dire que ça serait peut-être bien plutôt de faire des trams. Alors je vous remercie de cette proposition. C'est effectivement la réflexion que je me suis faite aussi après l'enregistrement de la vidéo. Sachant que Fougerolles est quand même une ville assez grande. Et que du tram, ça pourrait tout à fait avoir du sens. Donc je pense qu'on va commencer par faire ça. Mettre des trams un petit peu à Fougerolles. On va regarder un petit peu comment est faite la ville pour voir comment organiser le réseau parce que elle est quand même relativement étendue et puis il y aurait quand même pas mal de possibilités, donc on va essayer de trouver la meilleure. Alors on va regarder les zones, voilà. Alors c'est plutôt résidentiel par ici, commercial par là et industriel par ici. Donc ce qui serait peut-être bien, c'est d'avoir une ligne qui relie un petit peu ces trois zones. Faudrait desservir la gare au passage. Alors, est-ce qu'on ferait pas une ligne qui partirait peut-être de par ici, qui passerait devant la gare, qui viendrait peut-être comme ça. Puis dans le quartier industriel, alors on peut être comme ceci, puis comme ça. À voir. Y a aussi quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est utiliser un mode dont je crois pas qu'on ait déjà profité dans ce let's play. Alors ça va nécessiter de casser un peu de la ville, mais c'est de faire des voies de tram en site propre. Et notamment j'aimerais bien faire une station de tram peut-être là le long de la gare en fait. Donc ouais, le terminus il sera peut-être par là. Ouais non, en fait ça ira pas. Ça ira pas parce qu'il n'y a pas de quartier plus au nord qu'ici. Bon, pour l'instant, on va faire déjà un terminus de tram par là. Donc, ce que je pense qu'on va utiliser, c'est peut-être un terminus comme ceci. On va mettre le style le plus récent, du coup. On va mettre assez long parce qu'on va y mettre des trams. Donc ça sera du tram. Qu'un seul terminal. Et puis, alors est-ce qu'on met une place? Ou est-ce qu'on met ça? C'est peut-être mieux parce qu'on n'est pas vraiment en ville là quand même. Alors, on va tourner ça peut-être. Comment on peut le faire? Comme ça. Voilà. On va placer des rails de tram. Donc, en tout cas, ici, là. Puis alors, si je veux faire du tram en site propre, là, je vais devoir trop détruire la ville. Ça m'embête un peu, quand même. Non, mais on va essayer, quand même. Alors, là, je ne mets pas encore en site propre. Puis je vais vous montrer. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des rues comme ça. Donc voie de bus oui et rail de tram oui, électrique même. Alors, on débloque encore des nouveaux véhicules ferroviaires, c'est formidable. Alors on va peut-être mettre pause parce qu'on va devoir détruire une partie de la ville. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc là, il n'y aura que le tram qui pourra passer. Et puis on va mettre à sens unique une petite rue. Donc là, non et non. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà, et puis là,
comme ça. Donc le tram pourra passer au milieu. Et puis les voitures sur les côtés. Et puis, alors, ensuite, si je reprends là, là je vais mettre une voie de tram avec trottoir. Donc, oui et oui. On va la mettre comme ça. Et ensuite, je vais essayer de faire une courbe. Alors là, ça ne fonctionne pas. Mais il faut que je reprenne peut-être ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis pour les véhicules privés, donc à sens unique, une petite rue comme ça. Alors ça me plaît pas trop là comme il fait. Alors déjà non et non. On peut essayer déjà de faire comme ça. Et puis comme ça. Ouais voilà, là c'est mieux déjà. Et puis ici, on va repartir dans l'autre sens. Peut-être comme ça. Et là, est-ce qu'on se raccorde ici? Pourquoi il veut pas se raccorder là? Bon, tant pis, on va se raccorder ici. Puis du coup, par symétrie, est-ce qu'on n'arriverait pas à faire quelque chose comme ça? Angle trop serré. Ok, bon, on n'arrivera pas. Donc, comme ça, on n'a pas le choix. Ce sera pas vraiment symétrique, mais bon... Il n'y a pas vraiment de moyen de faire beaucoup mieux. Ok. Donc j'espère que le jeu va pas s'amuser à construire au milieu. Si jamais on lui mettra des obstacles pour pas qu'il y arrive. Mais ça me paraît pas mal là. On a un petit bout de tram en site propre. On va inverser quand même le sens ici, hein, évidemment. Voilà. Et puis les véhicules privés qui pourront passer de chaque côté. Je me demande en fait si on ne devrait pas mettre quelque chose d'un peu plus large. Mais évidemment, ça ne passe plus du coup. Non, mais c'est pas grave alors. C'est pas grave. Bon, ça sera le tronçon un petit peu expérimental pour ça. On verra si ça marche. Et puis, le reste, on va le faire en normal, hein. Je vais pouvoir remettre play du coup. Donc, on reprend des voies de tram qu'on place ici, là, là. Et puis ensuite, on vient par là. Et puis, oui, par ici, par là. En fait, je sais pas si c'est vraiment logique de revenir sur nos pas. Ou peut-être qu'on va faire un terminus par là. Ouais, on va peut-être faire ça. Alors j'enlève ce bout là. Bâtiment. Et puis on va peut-être même mettre deux fois du tram. Comme ça on pourra mettre le terminus de deux lignes ici. Ouais, on va faire ça. D'ailleurs, est-ce que l'autre j'ai mis électrique? Non, je crois pas. Électrique. Voilà. Sinon, ça allait être un peu embêtant. Ok. Donc là, on aura une ligne de tram qui va quand même bien desservir un peu toute la ville. Et je pense qu'il en faudrait une autre qui aille plus tout droit à la gare. Et qui parte ensuite peut-être par là. Ouais, on va essayer de faire quelque chose comme ça.
peut-être mettre un terminus par ici. Alors, on va dire ça. On veut un seul terminus. Et qu'on va mettre peut-être par là. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis on va améliorer la rue. Ici. Comme ça, voilà. Donc on met des voies de tram. Ouais, comme ça. Et donc ici, là. Voilà. On va rajouter donc des arrêts. Donc, ici. Là pour la gare. Ensuite, on aura le long de notre site propre. Ouais, du coup, il faudrait mettre un trottoir ici. Hein. Est-ce qu'on n'arrive pas à changer le type de rue? J'espère que oui. On va mettre ça. Là, on va mettre garder, garder. Qu'est-ce que ça donne? En fait, il a rien changé du tout. Il a pas mis le trottoir. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas la place. Mais alors, pourquoi il me l'accepte officiellement? Si je mets ça, il me dit construction impossible. Si j'enlève les arrêts. Ok, là c'est impossible. Et puis là. Impossible aussi. Ah mince. C'est dommage. Pause. Si j'enlève ça. Là aussi c'est impossible. Bon, je vais essayer de refaire ce côté là. Ok, là il arrive pas. Peut-être qu'il faut enlever cette rue. Et puis ça. Voilà, ici ça marche. Le reste tu n'auras pas forcément besoin. Et par contre, je reprends mes rues à sens unique. On avait dit celle-là, je crois. Hein. On va faire quelque chose comme ça. Là, il accepte pas. Là, il accepte. Ok. Et comme ça, là, il accepte. Ok. Ouais, donc on va garder ça comme ça. On va vite remettre les arrêts. Et on peut remettre play. Ok. Ensuite, on va en mettre, je pense, ici. Et puis par là. Ensuite, ici. Là, puis on arrive au terminus. Et pour l'autre ligne, donc probablement ici. Peut-être encore un là. Après, il y aura celui de la gare. Ensuite, il va venir là. Puis encore, je pense, un ici. Puis on aura le terminus. Ok. Donc, nouvelle ligne. Qui fait ça. On va changer la couleur parce qu'on voit rien. Donc ça, c'est la grande ligne qui fait un petit peu la rocade. Donc, qu'on va appeler Fougerolles, ligne 1. Et puis une autre ligne qui part aussi d'ici, qui vient là. Ouais, pareil, la couleur, ça va pas. Ensuite, on remonte à la gare, on redescend là, on vient là,
terminus là, on repart. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ok. Et donc ça, c'est Fougerolles. Ligne 2. Alors, le dépôt de tram. Parce qu'il nous faut évidemment un dépôt de tram. Peut-être qu'on peut le mettre par là. Ça me parle bien comme emplacement. Donc, un dépôt de tram. Mince, mauvaise touche. Je vais y arriver, c'est là, voilà. Donc, mettons-le par ici. Alors, acheter des véhicules. Qu'est-ce qu'on a comme tram? On va peut-être mettre cela. Alors, sur la première ligne, on va mettre des... Ouais, des grands, peut-être. Et puis, des petits sur... Quoique non, on va mettre des petits sur chaque. On va dire qu'on en veut peut-être 4 pour la première ligne. Voilà. Et puis on en veut encore 2 pour la deuxième ligne. Pourquoi il me laisse pas mettre 2? Voilà. Ok, donc on a notre petit réseau de tram à Fougerolles qui est en train de se mettre en place. On va monter en cabine de ce tram pour voir ce que ça donne, notre petit boulevard en site propre. Donc on y arrive maintenant. On pourra peut-être changer les textures un petit peu d'herbes qui sont un peu trop hautes pour être de la ville. Mais c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, donc les textures, ça va pas forcément trop. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? On va mettre... faudrait de l'herbe un peu tondue. C'est quoi ça? Ouais, c'est peut-être plus urbain. On va essayer avec ça. Et puis il faudra surtout espérer que le jeu reconstruise des bâtiments autour. Mais je pense que ça va venir assez rapidement. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas là ça présente plutôt pas mal. Bon, il y a les gens qui se promènent le long, c'est un peu dommage, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose contre ça. Donc ben tant pis hein. Mais j'aime bien ce petit tronçon avec le tram au milieu. Ok, donc pour Fougerolles, on est bon, on a mis des transports urbains. On va aller s'occuper des autres villes. Alors Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois. Est-ce qu'on met des trams? On a un boulevard là. On pourrait peut-être mettre des trams au milieu. Enfin pas au milieu du coup. Sachant que y a des belles... pente, enfin belle, des fortes pentes, ce qui en soi n'est justement pas très très beau. Ouais, c'est un peu dommage que le jeu soit raccordé comme ça. On n'aura pas vraiment le choix, je pense. Alors, est-ce que... Ouais, ça va être... Non, là, c'est vraiment abusé, quoi. Mais je sais pas si je peux faire en sorte que le jeu ne refasse pas ça. On va essayer. Pause. J'enlève ça. Déjà. Ce qui est déjà beaucoup mieux.
Alors, comment on pourrait faire? On va aller sur les routes. C'est là. Et on va verrouiller ça et ça. Logiquement, en verrouillant, le jeu ne peut pas raccorder à nouveau des routes sur celle-ci. Donc, il pourra se raccorder là. D'ailleurs, on va le faire pour l'inciter, hein. Des rues. Ça doit être ça. Alors là, il nous dit que c'est trop incliné. Par contre, ça le dérange pas, lui, d'avoir fait des trucs bien pires. Comment on peut faire? On va couper un peu là. Et on va couper un peu là. Voilà. Donc, on fait quelque chose comme ça. Ok, alors du coup, il a fait une rue là, donc on va enlever celle-ci. Ouais, c'est déjà mieux, je pense, comme ça. Du coup, Clichy-sous-Bois. Donc, je pense qu'il faudrait une ligne qui parte peut-être de par ici, qui monte à la gare, qui redescende là. Et qui viennent peut-être dans ce secteur-là. Et puis une qui vienne plutôt de par ici. Qui descendent aussi là. Et puis qui desservent tout ce quartier-là. Est-ce qu'on le fait en tram? Ouais, on peut peut-être le faire en tram. Alors, où est-ce qu'on met le terminus du tram? Peut-être pas là parce que c'est un petit peu serré quand même. On va essayer de le caser par ici. Bloque encore des nouveaux avions, des nouvelles voitures voyageurs. Il y a vraiment de quoi faire. Donc on a dit un terminus de tram par là. Alors, je vais y arriver. C'est ici, bâtiment pour les passagers. Donc ça sera plutôt cette forme-là. On va le mettre donc peut-être ouais ici. Qu'est-ce que ça donne là? Il y a une connexion piétonne donc c'est pas mal. Ok. On a dit qu'il nous en fallait un par là. Alors ici ce qu'on va faire c'est pause déjà. On enlève cette route. On prend une boucle comme ça. Alors, style de rue. Nouveau moyen. Ouais. Style d'abri 1980. Et vert, c'est quoi? Eh, c'est mieux ça. Ok. Sortie. C'est quoi qu'ils appellent sortie? Ah oui, c'est des arrêts en plus, je crois. Ouais. En l'occurrence, on n'a pas besoin. Alors, on va mettre ça ici. Voilà. Et puis l'idée, c'est après de se connecter par là. On va revoir toutes ces routes-là. Donc, de la route de campagne. Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Celle-ci, elle va venir se connecter par là. Et puis on pourrait se connecter aussi de l'autre côté. Ici, voilà. Et là. Voilà. Ah oui, alors ici, configuré, j'ai pas mis que je voulais des voies de tram électriques. Ok. Donc ensuite, on reprend nos outils. Voies de tram, on peut remettre play, hein. Là. On descend par là. On passe ici, là. On remonte vers la gare.
On redescend là. Et voilà. Donc là, on a le tracé de la première ligne. La deuxième, ça sera par ici. Donc, bâtiment. On va reprendre une boucle comme ça. Peut-être dans l'autre sens. Avec ici, on pourrait mettre autre chose pour changer. Ouais, là, c'est de la forêt. Alors ça, ça ira bien. Et je me suis encore trompé de touche. Ok. Donc, on peut la mettre un petit peu en biais. Même un peu plus. Voilà. Comme ça, ça change. Donc, ensuite, on va vers la gare. On redescend l'avenue. Et peut-être qu'on vient ensuite par là. Et puis après, est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va là? Peut-être que là, ils sont assez proches de cet arrêt aussi. Donc on va peut-être plutôt tourner par là. Et puis, ouais, on va mettre une boucle. On va changer le style encore. Donc là, on va mettre square pour une fois. On va la mettre comme ça. Et puis on peut la mettre ici. Ouais, voilà. Ok. Et puis le dépôt de tram, je pense qu'on peut le mettre par ici. Dépôt de tram. En fait, l'idée de le mettre par là, c'est que vu que de toute façon, avec ce type d'arrêt, on a des voies de tram qui continuent. Au moins, elles continuent pas pour rien. Voilà. Ok. Donc, on va pouvoir mettre des arrêts intermédiaires. Donc, il en faudra certainement un ici. Un là et un là pour la gare, ça c'est sûr. Ici. Ensuite, là et là. On va déjà faire cet axe là, donc ici. Et puis là. Voilà, et puis ici, ça sera là. Là, et puis là on aura le terminus, ok, puis il y a juste l'axe du nord, je crois qu'on n'a pas fait, voilà. Donc, un arrêt ici, puis après il y a le terminus, donc ça ira très bien. Ok, donc on va créer les lignes, nouvelle ligne. Donc là il nous remet toujours du blanc, c'est assez pénible. On peut mettre du rouge. Donc, celle-ci, elle vient comme ça. Voilà, donc ça, c'est Clichy-sous-Bois. Ligne 1. Et ensuite, une nouvelle ligne. Donc, qui part d'ici. Et qui descend là. Alors là, il est en train de nous faire n'importe quoi. Je vois. Donc, c'est l'arrêt 4. Il faut le 2. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Parfait. Donc, Clichy sous bois, ligne 2. On va acheter un peu des trams. Donc on va encore prendre ceux-là. Bon, on va en acheter 6. On va leur changer de couleur, tiens, pour une fois. On va les mettre en,
en vert. Et puis on en met 3 sur la ligne 1 et 3 sur la ligne 2. Voilà. Donc ils sont là. Nickel. Ensuite, on avait quoi? On avait Guéret. Alors, Guéret, c'est déjà un peu plus petit. Là, je pense que les bus, ça sera suffisant. La gare est un peu excentrée, donc ça sera certainement un terminus. On va en profiter pour essayer de mettre une petite gare routière. Qu'est-ce qu'on a comme petite gare routière? Alors, ça, ça a l'air très grand, donc ça va pas le faire. Non, ça, c'est grand aussi. Ah voilà, il y a ça. Ça, j'aime bien. On l'a mis une fois déjà, mais ça peut être pas mal. Et puis ça. Ah ouais, ça, c'est gare routière à l'américaine. Mais ouais, non, on va plutôt mettre ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Ah oui, on a ça. Il y a deux sorties. Mais vu la place qu'on a, je pense que c'est mieux de mettre ça. Alors, comment on fait l'entrée par là, je pense. Ouais, on va la mettre ici. Ok. Donc, on a de quoi faire deux lignes. Alors, où est-ce qu'on peut mettre des arrêts? Donc, déjà ici, probablement. Après, un arrêt pour le centre-ville, là. Je pense qu'il faut qu'il y ait une ligne qui parte par là. Et puis qu'il fasse le terminus par ici. Et peut-être qu'on aura une autre ligne qui va partir de l'autre côté, donc par là. On va faire peut-être déjà un arrêt ici. Un là. Un là. Puis un là. Et avec un terminus comme ça, ici. Voilà. Qui nous fait. Bon, là on va lui laisser mettre la couleur blanche, comme ça il l'aura mise, il sera content. Donc Guéret, ligne 1 et une nouvelle ligne ici. Qui sera donc Guéret, ligne 2. Donc il nous faut encore un dépôt de bus. Alors j'ai ça qui est comme dépôt un peu plus moderne. Donc je pense qu'on va mettre ça. Et puis vu que là on est un peu industriel, ça ira bien comme endroit. Alors mettons-le peut-être ici, voilà. Et on va acheter des bus, donc passagers. On va acheter des Volvo 5000. Puis on va en acheter deux pour la ligne 1. Et puis encore deux pour la ligne 2. Voilà. Ok, donc Guéret, on a des bus. On va regarder si déjà il y a du monde qui attend à Clichy aux arrêts. Ouais, ça a l'air de marcher. Et à Fougerolles. Et ben notre arrêt sur le site propre, il a l'air de fonctionner aussi. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a du monde qui attend aussi à la gare. Il y a du monde qui attend là. Bon, bah c'est bien, ça fonctionne. Parfait, parfait. Continuons vers le nord. Donc on avait Autun. Alors Autun, on avait fait une grande avenue. Donc on va essayer de s'en servir.
Et bah, je pense qu'on va mettre des trams hein, sur cette avenue. Ça me paraît plutôt bien de faire ça. Et puis, donc ce qu'on pourrait faire, c'est que... bâtiment pour les passagers, on va mettre une boucle. Peut-être même deux boucles. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même mettre deux boucles et puis des arrêts, les deux, voilà. Des arrêts de passage de chaque côté. Ce qui fait qu'on pourra faire un réseau assez conséquent à Autun. Voilà. Et donc, on prend les rues de ville. On va se connecter quelque chose comme ça. Ok, donc ici on configure et on met des voies de tram électriques. On prend l'outil des voies de tram. Ici. Donc on va faire déjà toute l'avenue en tram, ça c'est sûr. On débloque plein de nouveaux bus. On va peut-être pouvoir s'en servir. Et puis des voitures voyageurs. Des trains aussi diesel, le Shinkansen. Bon, y a vraiment de quoi faire apparemment. C'est encore prometteur pour l'avenir. Donc notre tram ensuite, je pense qu'il pourrait partir par là. Puis qu'il va gentiment pouvoir faire son terminus. Bah ouais, peut-être par là, hein, tout simplement. Alors, avec une boucle comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre au milieu? On va mettre ça pour changer. Donc on va mettre le terminus par ici. Voilà. Donc des voies de tram là. Donc je pense qu'on va faire une ligne de tram effectivement comme ça. On va lui rajouter des arrêts. Donc un arrêt ici. Un arrêt là. Un arrêt par là. Puis ouais, puis entre les deux, on va en rajouter encore un. Ensuite, un arrêt par ici. Et puis là, on a le terminus à la gare. Ok. Et puis les autres lignes, je pense qu'on va les faire en bus. Donc, je pense qu'il y a une ligne qui devrait passer à la gare, mais traverser. Donc, pour utiliser ces deux quais là. Donc on va mettre pour ça, on va améliorer cette rue déjà. On améliore là, puis ça on le passe en rue urbaine. Hein. Donc bâtiment, on met un arrêt ici. Un arrêt là, et puis le terminus par ici. Terminus, on va mettre ça, on va pas s'embêter. Voilà. Et puis de l'autre côté, donc il peut y avoir un petit tronc commun avec le tram. Et puis, sous les arrêts de bus, là. Puis là, ça tourne. Ça vient là. Et puis, on va faire le terminus par ici. Donc aussi comme ça. Voilà. Et puis il y aurait une troisième ligne qui partirait de là, qui ferait un petit peu comme le tram au début. Et qui ensuite, si je retrouve les arrêts, voilà. Qui vient tourner par là. Et puis là. Et puis ici. Et puis qui peut faire le terminus en fait en faisant cette boucle là. Ouais, je pense que c'est pas mal comme ça. Donc ça va nous faire trois lignes. Donc la première c'est le tram qui fait ça, 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 ça. Pareil au retour. Voilà. Donc ici on est à Autun. Ligne 1. Ensuite, nouvelle ligne.
Donc c'est le bus qui fait comme ça. Et donc c'est hautain ligne 2. Et ensuite on a le bus qui fait de la gare jusque là, puis là, et qui tourne comme ça. Voilà, donc là on a Autun ligne 3. Parfait. Donc il nous faut un dépôt de tram et un dépôt de bus à Autun. Le dépôt de tram déjà. Où est-ce que c'est un petit peu industriel? Par là. On va le mettre ici. Dans le prolongement. Voilà. Donc on met des rails là. Parfait. Puis le dépôt de bus. Dans la zone un peu industrielle là. On va le mettre ici. Comme ça. Donc on achète des trams. Est-ce qu'on met toujours les mêmes? Et ceux-là sinon. On va mettre ça. On va en acheter 4. Qu'on va peindre en jaune, orange. Comme ça, clair. Sur Autun ligne 1. Ensuite, des bus. Les bus, on va mettre... Ça change pas grand chose, on va mettre cela. On va en mettre 3 sur la ligne 2. On va les peindre aussi en la même couleur. Voilà. Et puis sur la ligne 3, on pourrait mettre des articulés peut-être. On va en mettre 4. On va les peindre aussi. Comme ça. Voilà. Ça, on a un petit réseau bien sympathique aussi du côté d'Autun. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça commence à faire déjà pas mal. Hein. On a construit 4 réseaux urbains. Il manquera encore celui de Menton qu'on fera dans le prochain épisode. Et puis, on fera aussi d'autres choses, mais qui dépendent aussi de ce que vous me proposez en commentaire. Donc, je vous invite fortement à me faire des propositions en commentaire. J'ai toujours, bien sûr, en tête la ligne à grande vitesse hein, pour Fougerolles. Mais c'est pas forcément pour tout de suite. Donc, en attendant, si vous avez d'autres idées, peut-être est-ce qu'on fait la branche vers Décines, dites-moi en commentaire. Je tâcherai de les lire. Et puis en attendant, ce que je vous propose, c'est un petit voyage en cabine, le temps de nous dire au revoir. Et pour vous de commenter, de liker, de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications, partager les vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.